Good morgen, Aleïden, l'étude aujourd'hui, le Nishmat, Avraham, Chaï, Norbert, Ben Fortune, Mazal, Chaya, Bat, Tova, Rachamim, Ben Rosa, Avraham, Ben Yosef, et Moshe, Ben Yaakov, Tarahab. Si vous souhaitez, dédié une prochaine étude de Mishnah, qu'on est à la communauté éternelle, nous étudions ma Sechet Bechorot, Perekei, Mishnah Vav, Ashochet et Abechor, ou Mecharo, Venoda, Shelo, Herahu. Ma Sheachlu, Achlu, Vehu, Yachzir, Lahem, et Adamim. Ou Ma Shelo, Achlu, הבשר יקבר, והוא יחזיר להם את הדמים. וכן השוחט את הפרה ומחרה ונודע שהיא טרפה. מה שאכלו, אכלו ויחזיר להם את הדמים. ומה שלא אכלו, הן יחזירו לו את הבשר, והוא יחזיר להם את הדמים. מחרו לנוכרים, או לטילוהו לכלבים, ישלמו לו דמי הטרפה. Deux sujets dans notre Mishnah qui se ressemblent, c'est השוחט את הבכור, celui qui fait la שחיטה d'un בכור, et qui le vend. Et ensuite, quoi, au Mecharo, donc il a vendu, Venodar Shelo Erahu, et après qu'il l'ait vendu, il a commencé à écouler son stock, d'un coup, on réalise que ce vendeur, en fait, il n'avait pas du tout consulté un Kohen, et consulté un expert pour savoir ce qu'il pouvait égorger son Mecharo ou non. Alors la Mishnah m'enseigne, Mashe Achlu, Achlu, ce qui a été consommé, ça a été consommé, évidemment, on ne va pas les faire vomir. Les hui arzir lahem et adamim, par contre, il devra leur rendre l'argent. Tandis que, ou machelo achlou, est-ce qu'ils n'auront pas consommé? À basari kaver, il faudra enterrer la viande qu'il y a. Et, les hui arzir lahem et adamim, et le vendeur leur rendra leur argent. Après, on expliquera dans une Mishnah, on va parler de la même situation avec celui qui vend un animal qui se retrouve très fat. Tout d'abord, on reprend le cas avec le bechor. Bien sûr, on connaît bien le grand principe. Un Bechor, le premier-né du Shor Kesev Ez, le premier-né, alors il est censé, c'est un korban initialement, on doit l'amener au Metamigdash et on le donne au Kohanim, il va le consommer. Si toutefois il va avoir un défaut, donc il est inapte au Mizbeach, dans ce cas-là on aura le droit de lui faire la Shrita. Pour pouvoir permettre la Shrita, on a appris maintenant dans ce chapitre longuement, qu'il faut nécessairement le montrer à un expert. Ça ne suffit pas même d'être certain que c'est bon. D'après tous les livres de Halakha, c'est écrit qu'un tel korban, il va être inapte pour le misbar. Et bien malgré tout, on n'a pas le droit d'égorger jusqu'à qu'on le montre à un expert et qu'il va nous donner son aval. D'accord? On avait plusieurs prix, plusieurs formes d'experts. En tout cas, on n'a pas le droit, d'après soi-même, de trancher cette Halakha-là. On est obligé de se concerter avec quelqu'un. Et si on l'a pas, on ne sait pas donc concerter avec personne, eh bien on est passible. On n'a pas le droit, la viande elle est interdite à la consommation. Là maintenant, on parle d'un cas de figure, ça se présente de deux manières. On parle d'un Kohen qui s'est mis à vendre de la viande, en prétendant que c'était de la viande de Bechor, mais qui avait eu un défaut, puis après on réalise qu'il a concerté personne. Soit qu'il n'y a jamais eu de défaut, en fait c'est un vrai korban, c'est très grave, ou soit même il y avait peut-être un défaut, mais en tout cas il a consulté personne pour pouvoir le permettre, donc on n'a pas le droit de consommer sa viande. Alors la Mishnah m'enseigne, qu'est-ce qu'on fait dans une situation pareille? Eh bien, d'abord, ce qui a été mangé, ça a été mangé. Bien sûr, on ne va pas le faire vomir. Mais le chidouche, il est qu'on va lui imposer de rendre tout l'argent. Chose qui ne se produit pas de manière générale, qui n'était pas censée se produire de la sorte. C'est-à-dire, si je vous vends un aliment censé être cachère, il s'avère qu'il n'était pas cachère, et vous avez mangé, selon la loi stricte, on va rendre la différence. On devrait rendre la différence entre le prix que coûte un animal cachère, un aliment cachère et un aliment pas cachère. D'accord? Je vous ai vendu peu importe, ça peut être toute chose, un fruit. Je vous ai vendu un fruit censé être cachère, vous l'avez mangé. Un fruit cachère coûte 10 shekels, un fruit pas cachère coûte 5 shekels par exemple. Je l'ai vendu en tant que fruit cachère à 10 shekels, vous l'avez mangé, après on réalise qu'il n'était pas cachère. Donc dans ce cas-là, vous ne pouvez pas me rendre ce que je vous ai donné. Maintenant, malgré tout, ne rien, en théorie, après on va apprendre qu'il y a eu un knas, mais en théorie, donc ce que vous avez mangé, on ne peut pas annuler la vente, c'est trop tard, on l'avait déjà consommé. Eh bien, la logique stricte de halakha, elle aurait été que dans ce cas-là, ce que je vous ai vendu, ça s'est annulé, vous avez mangé un fruit qui était le mien, vous en avez tiré profit d'une valeur de 5 shekels, eh bien vous devez me rendre les 5 shekels. Donc moi, je devrais rendre la différence entre le prix que vous m'avez donné et le prix que c'est censé coûter le packager. Ça, c'est en théorie. Concrètement, Chachamim ont fait un knas. Ils ont imposé aux vendeurs que tu dois rendre intégralement tout l'argent que tu as reçu. D'accord? C'est un knas. Normal, il a
il a manqué à son devoir de vendre de la nourriture cachère, il s'est bien rendu quelque chose qui n'était pas cachère, donc il doit la vendre. Et donc, selon le même principe, donc, tant que si le Bechor n'est plus là, alors le vendeur il doit rendre tout l'argent. Si le Bechor a été consommé entièrement. Si le Bechor n'a pas été consommé, alors là, on est bloqué. Le Bechor n'a pas le droit d'en tirer profit, donc forcément, il va falloir l'enterrer, le vendeur il va rendre tout l'argent. Même principe maintenant avec, dans la suite de la Mishnah, la Seifa, on va parler d'un animal taref, un animal qui a été impropre à la consommation, parce que cette fois-ci, il était plus viable. Alors la Mishnah m'enseigne, « Vechen ha-shochet et tapara » De même aussi pour celui qui fait la shrita d'une vache, « Ou mechara » Il l'a vendue, « Venoda shei trefa » Après qu'il l'a vendue, alors on a su qu'elle était en réalité trefa, elle était impropre à la consommation, elle avait quelque chose qui la rendait qu'elle était plus viable. Eh bien, machiachlu achlu, ce qui a été consommé, ça a été consommé. Mais, veyarzir laem et adamim, et malgré tout, le vendeur devra lui rendre la valeur intégralement. Là aussi, c'est un knas, c'est une amende. Parce que selon le strict, on ne devait pas rien rendre. Parce que si, a posteriori, il a mangé grâce à moi, on devrait quand même évaluer combien le prix coûte de la viande pas cachère. Et ça, au moins, on aurait dû le déduire. La méchante enseigne que non, je dois le rendre intégralement parce qu'il y a un knas. Ou machelohlu, est-ce qu'ils n'ont pas consommé? Alors la Mishnah m'enseigne, Nirsirolo et Tabassar, eux ils devront lui rapporter la viande, et lui il va rendre tout l'argent. Là il n'y a pas de knas. On fonctionne selon la loi stricte, je vous ai vendu en hébreu un khatul basak, je vous ai vendu un chat, enfin, bref, peu importe. Je vous ai vendu quelque chose, que finalement il s'avérait que c'était une erreur, c'était une carte haute, et bien la lacha elle me fixe quoi? Ben, tu rends au vendeur et tu rends lui l'argent, puisqu'il n'y a pas eu de transaction. D'accord, donc c'est le même principe. Au machelo achlou, ce qu'ils n'ont pas consommé, henirzirolo et tabassar, eux, ils lui rendront sa viande. Voyirzirolem et tadavim, et lui, il devra leur rendre intégralement leur argent. La Mishnah continue en enseignant. Mechavouhou les nochrim. Si toutefois, moi, je vous ai vendu de la viande, qui en fait, il s'avère qu'elle n'était pas cachée, et que cette viande ensuite, vous l'avez revendue à un goy, ou bien au itilouhou les klavim, et vous l'avez ensuite donnée au chien, soit au goy, soit au chien. Qui ont tous les deux le droit de manger un animal qui n'est pas cachère. Moi, je l'ai vendu en tant que cachère. Je traduis la Mishnah, après on va expliquer un peu mieux. Et Shalmolo de Matreifa, ils devront lui payer le prix que coûte un animal tarif. C'est simple. Imaginez la viande au kilo chez les juifs en glade cachère, ça coûte 50 shekels le kilo. Chez les au halal, à la boucherie des cousins, eh bien, ça coûte là-bas 20 shekels le kilo. D'accord? C'était pas cachère, ça coûte 20 shekels le kilo. 50 shekels chez les juifs. Chez les Arabes. Et je lui ai vendu maintenant, il se passe que maintenant, je vous ai vendu de la viande censée être cachère. Pour X ou Y raison, vous avez un engagement par rapport à un Arabe, par exemple. Bon, tant pis, vous l'avez donné à manger de cette viande, vous l'avez fait cadeau, vous l'avez revendu. En fait, vous l'avez revendu cette viande qui était en réalité pas cachère, mais censée être cachère. Vous l'avez revendu, il avait besoin d'argent urgemment, besoin de viande urgemment. Il a dit, viens, je te vends de la viande. De chez nous, 50 shekels, il le prit 50 shekels. D'accord? Et finalement, il s'avère que c'était la viande qui n'était pas cachère. Donc, c'était la viande qui n'était pas cachère, c'est la viande halal. Ouais. Eh bien, on aurait pu lui revendre à. Finalement, l'acheteur, revendeur, le receleur, en fait, il n'a rien perdu. Lui, il a cru qu'il lui vendait de la viande cachère. Il s'avère qu'elle n'était pas cachère. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Malgré tout, la mise en scène, c'est à moitié vrai, mais à moitié faux aussi. Il devra me rendre toute la différence. C'est-à-dire, puisque, finalement, si la viande, elle n'était pas cachère, et que moi, je l'ai vendu la viande sur cette cachère, je l'ai pris 50 shekels, mais je l'ai vendu la viande qui n'était pas cachère, donc je devais ne prendre que 20 shekels. Alors, même si ensuite, il n'a rien perdu, parce qu'il il a rien perdu, finalement, il l'a revendu même plus cher, à la limite, à un goy. Ouais, parce qu'il l'a. Donc, il l'a vendu même plus cher. En théorie, il n'a rien perdu, malgré tout, la méchante pensée, non. Moi, je devrais lui rendre les 30 d'écart. Pourquoi? C'est normal, parce que moi, je ne lui ai jamais vendu la viande cachère. Je lui ai vendu la viande qui n'était pas cachère, même si on s'est trompé. Donc, je devrais lui rendre la différence, les 30. Et c'est tout pour lui. Je souhaite une journée pleine de la sarah, comme tout ça.